je vais vous parler de seconde révolution quantique. Donc voilà, on va parler de physique quantique. Vous avez choisi le canal 1, vous êtes puni. On a une sorte de hype quantique du moment, je dois dire. Alors moi, ça fait 20-25 ans que je suis dans la quantique. Donc je suis très surpris d'entendre tout le monde me parler de quantique en ce moment. On en entend parler dans les médias, on entend parler de calcul quantique, de technologie quantique, d'ordinateur quantique, bien sûr, de plan quantique. Emmanuel Macron est venu dans mon université annoncer le grand plan quantique français. On a un flagship européen quantique. Bref, la quantique a l'air d'être à toutes les sauces en ce moment et a l'air de promettre monts et merveilles. Et donc, je vais essayer avec vous de trier un petit peu là-dedans et de voir ce qui est vrai, ce qui se joue en ce moment en termes de révolution quantique, et peut-être aussi les verrous et les fausses promesses qu'il faut peut-être remettre un peu en question. Voilà, c'est le programme ambitieux de la demi-heure à venir. Alors d'abord, je vous parle de seconde révolution quantique, ça veut dire qu'il y en a eu une première, donc la première révolution quantique. Cette révolution, en fait, c'est une double révolution qui a lieu il y a en gros 100 ans, au début du XXe siècle. Les physiciens se mettent tous ensemble et se rendent compte que les lois de la physique à toute petite échelle, à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la molécule, ne sont plus les lois dont on a l'habitude. Et donc ils vont inventer tout un nouveau corpus de connaissances, tout un nouveau champ de recherche, la physique quantique, pour décrire ces lois, pour comprendre comment la nature marche à petite échelle, à l'échelle du nanomètre en gros. Donc ça c'est une révolution, mais c'est une révolution scientifique, c'est clairement pas une révolution industrielle pour l'instant. Et puis 10, 20 ans après, ça va pas prendre beaucoup de temps pour les physiciens pour s'emparer de tout ce qu'ils avaient compris et l'investir cette fois-ci dans des technologies et dans des applications. Et ils vont se mettre à inventer. Alors, un des plus beaux exemples de ça, je crois peut-être le plus bel exemple du XXe siècle à mon sens, c'est quand les physiciens vont commencer à comprendre comment les électrons se déplacent dans un métal. D'abord, quelles sont leurs propriétés, et vont se servir de ça pour les domestiquer, pour les gouverner un peu sur mesure en créant des métaux sur mesure. Ils vont utiliser pour ça du silicium, de l'arsenic, du gallium, et progressivement fabriquer le transistor. Le transistor, c'est une invention des physiciens de la quantique, et 10, 20 ans plus tard, ça va devenir, alors je vous ai emmené plein d'objets aujourd'hui, ça va devenir ça. Donc là, j'imagine que les gens d'Octo doivent hurler parce que c'est vraiment un vieux microprocesseur que je vous ai sorti, que j'ai dépiauté d'un vieux PC que j'avais chez moi. C'est incroyable cet objet-là parce que ça contient actuellement 100 millions à 1 milliard de transistors. Et donc ces transistors permettent de faire toute l'électronique qui nous entoure. Donc la révolution quantique, la première, c'est toute l'électronique qui nous entoure. Et c'est pas seulement ça, 10 ans après, les physiciens vont commencer à jouer avec la lumière. Donc la lumière, elle est composée de photons, des petits grains individuels, et vont commencer là encore à arriver à les domestiquer en mettant plein ensemble, pour faire qu'ils se mettent en phase, vous voyez, qu'ils s'accordent bien les uns aux autres, et en faisant ça, ils inventent, deuxième objet de la journée, le laser. Donc là, j'essaie de viser la caméra avec mon super rayon laser vert, ils vont me hurler dessus en technique. Donc, le laser, c'est pas une découverte de la quantique, c'est une invention de la quantique, d'accord? On invente un nouveau type de lumière, cohérent, une seule couleur parfaite, hyper directionnelle, au point qu'on sait envoyer des lasers vers la Lune. Donc, on a une révolution à la fois dans la matière, dans la lumière, et puis ça va provoquer plein d'autres révolutions. Je vous en donne un exemple, peut-être mon préféré, c'est celui-là. Là, j'ai vraiment pris le pire, j'ai pris une pile juste avant de venir, et je vous ai fabriqué une LED. Je ne sais pas si vous la voyez s'allumer, c'est une LED bleue. Donc cette LED bleue, elle est inventée dans les années 80-90. On avait déjà inventé les LED vertes, rouges, jaunes, etc. Avec la LED bleue, on va être capable de faire du blanc en mélangeant tout ça. Et soudain, on va révolutionner tout l'éclairage contemporain, puisqu'on va remplacer à peu près systématiquement toutes nos sources de lumière, qui étaient catastrophiques du point de vue énergétique, par ça, les LED, invention de la quantique, là encore, c'est des petits sandwichs de semi-conducteurs qui vont permettre d'avoir un rendement qui peut aller jusqu'à 90-95%. Et ça, c'est la première révolution quantique, donc déjà pas mal. Vous voyez qu'un point commun à toutes les technologies dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a plein de particules, plein d'atomes, plein d'électrons, plein de photons. Quand je dis plein, c'est 10 puissance 23, c'est 1 et 23 zéros après. Et donc tout l'art de la physique quantique dans ce premier temps technologique, ça va être de comprendre ce qui se passe quand on met une assemblée d'électrons ensemble, ou une assemblée de photons ensemble, et comment on peut domestiquer ça. Et toutes ces technologies-là, c'est des grosses technologies, parce qu'elles utilisent des milliards de photons, ou d'électrons. Alors, un peu de physique, je vous ai promis de la physique quantique, donc là, on ne va pas y échapper. Toutes ces technologies reposent sur en gros deux concepts. Il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a deux. Donc on va se les faire, ces deux-là. Et vous verrez après que la seconde révolution technologique met en jeu des nouveaux concepts. Donc j'aimerais qu'on soit déjà d'accord sur les deux premiers concepts de base qui se cachent derrière tout ce que je vous ai montré. Alors le premier concept, c'est la dualité. La dualité, elle porte hyper mal son nom. Il n'y a pas du tout de dualité en réalité. On parle de dualité en particules et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un bon nom. Vous prenez une particule quantique, vous l'imaginez là, par exemple un atome. En fait, cet atome en physique quantique, tant que vous ne le mesurez pas, tant que vous n'essayez pas de sonder son état, va se comporter comme une sorte d'onde. On parle d'onde de probabilité. Voilà, il peut être à plein d'endroits à la fois en probabilité et il ne choisit pas. Il est véritablement, en quelque sorte, à tous ces endroits à la fois.
Et quand vous allez le mesurer, il va se réduire soudainement à un endroit parmi toute la carte qu'il occupait. Donc vous voyez, c'est une espèce de carte des possibles. Vous imaginez que voilà, je peux être à tous ces endroits à la fois. Et au moment où vous me mesurez, hop, je choisis de me mettre là. Ou hop, je choisis de me mettre là, en tirant au sort à chaque fois, avec des règles de probabilité dictées par les lois de la quantique. Donc quand on parle de dualité, en fait, il y a deux temps. Vous voyez, il y a tant que vous ne me mesurez pas, je me comporte comme une onde. Et quand vous me mesurez, je redeviens une particule. Alors pas moi, mais l'atome en l'occurrence. Et ça, ça va être vrai pour un atome, un électron, un photon et même une molécule. Hein. On sait voir le caractère ondulatoire d'une molécule tant qu'on ne la mesure pas et qu'on la protège bien. Donc ça, c'était mon premier concept, la dualité. Deuxième concept, la quantification, en fait, il découle directement de la dualité. Une fois qu'on a admis que cet objet quantique, c'est une sorte d'onde, hein, comme une vague dans la mer, eh bien, il va subir un truc que connaissent bien les physiciens depuis le 18e et le 19e siècle, c'est la quantification. Quand vous avez un aquarium, par exemple, si vous faites des petites vagues dedans, vous n'arriverez pas à avoir n'importe quelle vague. La raison à ça, c'est que la vague, elle rebondit sur les bords, elle revient dans l'autre sens, puis elle rebondit sur le deuxième bord, et à la fin, elle se superpose à elle-même en essayant de s'en sortir dans la taille de l'aquarium. Et finalement, en général, elle va faire un truc comme ça, ou comme ça. Donc elle va avoir un certain nombre de bosses, mais elle n'a pas droit à toutes les formes. Et donc on parle de quantification au sens où on n'a droit qu'à certaines formes, un peu comme certaines notes de musique pour un piano. Et c'est d'ailleurs un peu le même concept qui se joue chez un piano. Et donc ça, les physiciens, ils aiment bien représenter ça comme des paliers d'escalier. Vous imaginez, voilà, vous avez une échelle, les énergies. La première forme, c'est la plus calme, on va dire, elle a une énergie assez faible. Puis si j'excite un petit peu ma boîte, la vague va changer et va adopter une deuxième forme, puis une troisième forme, puis une quatrième forme. Alors ça, ça a l'air de rien, mais c'est violent. Hein. Ça veut dire que la nature quantique est discontinue. On passe brutalement d'un palier à un autre. D'accord ? Et c'est l'alchimie, pas l'alchimie, je ne sais pas comment l'appeler, l'art de gouverner ces paliers qui va se cacher derrière toutes les explications dont je vous ai parlé. C'est comment est-ce qu'on fait passer, par exemple, un électron d'un palier au palier suivant, puis qu'on le laisse redescendre et qu'il crache un photon. Ça, ça va faire la LED, etc., etc. Donc c'est ces deux concepts-là qui sont dans la première révolution quantique. Et donc maintenant, je pense qu'on est armé pour passer à la deuxième révolution quantique. Alors la deuxième révolution quantique, quand est-ce qu'elle naît? On peut dater l'année précisément où elle est mentionnée pour la première fois. C'est en 1959 par un merveilleux physicien, Richard Feynman. Donc Richard Feynman, prix Nobel de physique quantique d'ailleurs, et qui a fait un certain nombre de prédictions dans sa vie absolument incroyables et qui ont révolutionné le champ. En 1959, il donne une conférence à Caltech devant tous les physiciens de l'American Physical Society, donc un truc très sérieux. Hein. Il leur dit, écoutez, moi, je vous propose qu'on imagine un truc impossible et qu'on réfléchisse à ce que ça permettrait. La conférence s'appelle « There's plenty of room at bottom ». L'idée, c'est si on allait se miniaturiser et aller voir la matière à l'échelle de l'atome, on ne la regarde plus en bloc, on la regarde vraiment à l'échelle de l'atome, et si on était capable de manipuler cet atome, de jouer avec comme on veut, comme un Lego, on puisse en mettre un deuxième, un troisième, jouer sur la propriété du premier, puis du deuxième, alors un champ incroyable de recherche et d'application s'ouvrirait à nous. Évidemment, Feynman sait très bien, et tous les gens dans la salle le savent bien, c'est impossible. On ne sait pas faire ça, et on pense même pour certains qu'on ne saura jamais le faire. La raison est simple, c'est que votre outil de mesure pour manipuler les atomes, bah lui-même il est fait d'atomes, et il y a trop d'atomes, et donc prendre un atome avec des milliards d'atomes, ça va être compliqué. Et donc on n'y croit pas trop, mais Feynman dit, allez, on va rêver ensemble, et on va imaginer tout ce qu'on pourrait faire si c'était possible. Et donc il déroule cette conférence, hein, et ça va être en fait la naissance de la seconde révolution. Et par rapport à 1959, c'est intéressant d'avoir les échelles de temps en jeu, il va falloir 20-30 ans, avant qu'on commence à savoir faire ce que Feynman proposait. On va, dans les années 80, commencer à savoir manipuler les atomes, ça on savait déjà le faire depuis longtemps, mais les manipuler un par un, ou manipuler les photons un par un. Et je vais vous montrer une des manips fondatrices, j'adore la montrer parce qu'elle est vraiment moche, regardez, cette espèce de truc là, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce de nuage blanc. Le nuage blanc, on s'en fiche, ce qui compte, c'est le petit point blanc au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez, il est au tout milieu de mon image. C'est la première fois que des physiciens, en l'occurrence le groupe de Tochek en Allemagne, va être capable de faire flotter un atome dans le vide, c'est un atome de barium, de le piéger avec des champs magnétiques, des lasers, plein d'astuces de physiciens, et surtout de le voir. Alors voir un atome, c'est impossible, hein, c'est moins d'un nanomètre, c'est un dixième de nanomètre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font briller. Ils balancent de la lumière dessus, ça le fait fluorer, et ils crachent un peu de lumière autour de lui, une sorte de petite lampe de poche atomique, et c'est ce petit point blanc que vous voyez là. Donc là, vous voyez la première fois où des hommes ont réussi à voir des atomes, quand même la super classe hein, comme expérience. Et c'est une expérience de laboratoire hyper fondamentale, connue par quelques personnes dans le monde, de recherche pure. D'accord ? Et on va continuer à améliorer, évidemment, les technologies qui se cachent derrière ça et la physique fondamentale associée pour être de meilleur en meilleur pour manipuler ça. Et je vais vous montrer l'état de l'art, ce qu'on sait faire de mieux actuellement pour manipuler des atomes dans le vide. Alors je vous montrerai qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut manipuler, mais voilà. Donc Tochek, 1980, il sait en faire flotter un, il le capture en le voyant briller. Et 30-40 ans après, maintenant en fait, hein, c'est un papier donc, que je vais vous montrer qui date d'il y a un ou deux ans, l'équipe d'Antoine Breveil, c'est à l'Institut d'Optique, donc dans l'Université Paris-Saclay à nouveau,
va réussir à faire la même chose. Ils vont faire flotter des atomes dans un gaz froid, ils vont les refroidir et les calmer avec des lasers. Avec d'autres lasers, ils vont les manipuler, les bouger, et vont arriver à faire ça. Donc ça, c'est une joconde atomique. Chaque point que vous voyez, c'est un atome. Donc ça sert absolument à rien, hein, c'est juste pour se faire plaisir. Donc là, c'est pas des atomes posés sur une table, hein, c'est des atomes qui flottent dans l'air, hein, et qui vous dessinent Mona Lisa. Mais ce que ça vous montre surtout, c'est ce qu'on est capable de faire. Vous voyez, c'est une preuve de concept qu'on est capable de faire presque ce qu'on veut avec une flopée d'atomes, les trier, les choisir, les faire briller, les mesurer et faire les motifs qu'on veut. Et là, soudain, tout un champ d'applications va être possible. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, je ne voulais pas faire un catalogue de toutes les applications. Alors, on peut faire ci, ça, ça. J'en ai choisi trois, mes trois préférées. Donc, c'est hyper subjectif. Mais je pense parce qu'elles sont symboliques du genre de choses qu'on peut faire dans cette deuxième révolution quantique. Donc, vous l'avez compris, hein. Ce qui se joue dans cette deuxième révolution quantique, c'est être capable de manipuler des objets individuels. Avant, on en avait des milliards, maintenant, on sait jouer avec un seul. Après, on pourrait se dire, mais ça va être la catastrophe, quoi. Si on n'en a qu'un seul, bah, y a plus du tout de signal, c'est tout bruité, ça va servir à rien, on va pas pouvoir le tenir avec les mains, il va falloir aller dans un laboratoire pour le faire. Donc, on ne sent pas les technologies arriver. Et pourtant, vous allez voir que quand on est capable de faire ça, soudain, des nouveaux pans technologiques peuvent s'ouvrir à nous. Alors, avant ça, il faudra utiliser des concepts. On en a déjà vu deux, la dualité et la quantification, on va devoir en rajouter. Donc en fait, on a une sorte de boîte à outils quantique. Donc je vous ai mis une boîte à outils, voilà, vous imaginez votre boîte à outils quantique. Alors vous avez deux trucs dans votre boîte à outils, vous avez les outils. C'est les propriétés quantiques sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Donc il y en a quatre, en gros. Il y en a quelques autres, mais les quatre plus importantes. Dualité, on l'a déjà vu, quantification, on l'a déjà vu. Il y en a deux autres, il y en a une, c'est la superposition. Alors c'est quoi la superposition? Vous vous souvenez de mes marches d'escalier? Donc mon objet quantique, il est obligé d'être sur une des marches. Par contre, il y a un truc qu'il sait faire d'incroyable, c'est qu'il sait être dans deux marche à la fois. Il sait être superposé dans deux états. Il sait être à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage. C'est pas qu'il est une moyenne des deux, qu'il va vite de l'un à l'autre. Non, non. Il est véritablement sur les deux étages à la fois, tant qu'on ne le mesure pas. Et ça, vous allez voir que ça va être très utile dans certaines applications. Et puis, la dernière propriété qui va être très utile aussi, c'est l'intrication, dont je vais vous reparler un peu après. Donc ça, c'est vos outils, ok? Et la question, c'est sur quels matériaux vous tapez? Est-ce que vous prenez du bois, du ciment et tout? Alors, vos matériaux, ils doivent être petits. On a dit que c'était des particules individuelles. Donc, il n'y en a pas des milliards, hein. Vous pouvez jouer avec un atome. Bah, c'est ce que faisait Tochek dans son laboratoire en 1980. Vous pouvez jouer avec des électrons. Un électron, bah, vous voyez, hein, c'est ce qui est autour d'une moyenne normalement dans un atome, mais si on l'extrait et qu'on arrive à le manipuler ou dans un solide, bah, on a un électron, un objet quantique. On peut avoir un photon. Un photon, c'est un grain de lumière. Hein, la lumière qui inonde cette pièce actuellement est faite de plein de petits photons. Donc ça, c'est si on veut jouer avec la lumière. Et puis plus généralement, n'importe quel machin petit. J'appelle ça un nano-objet pour faire un peu chic, mais en gros, c'est quelque chose à l'échelle du nanomètre. Je vous donne un exemple. Une molécule. Une molécule, si elle n'est pas trop grosse, elle est purement quantique. Hein, par exemple, je ne sais pas, CH4 ou H2O, et on va pouvoir lui faire faire des choses quantiques, on va dire, pour l'instant. On peut aussi, en nano-objet, imaginer, alors pour le coup, on retourne dans le monde de l'électronique, ben, vous avez un transistor qui fait, je ne sais pas, 100 atomes, ben, c'est un nano-objet. Ou si vous déposez un petit plot sur une surface, faites quelques atomes, c'est un nano-objet aussi. Donc il y a toute la nanophysique qui se cache aussi derrière ce dernier intitulé. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre à chaque fois un outil, une matière, et puis vous montrer ce qui se passe quand je tape avec l'un sur l'autre, ou cette métaphore-là, quoi. Donc on commence, l'atome et la dualité. Je prends le plus simple pour commencer. Donc je vous ai dit qu'un atome se comportait comme une petite vague. Comment diable est-ce que ça va nous servir pour faire une application? Alors l'application que je vais vous montrer, elle est absolument géniale, c'est l'interféromètre à atome unique. Alors dit comme ça, ça fait classe, hein. Alors j'essaie de vous l'expliquer. Donc vous prenez les atomes, ok, vous les imaginez, mais vous les prenez un par un. Souvenez-vous, on veut jouer avec un seul atome. Donc vous prenez un atome et vous le balancez en l'air, comme une balle de tennis. Alors, il fait exactement comme une balle de tennis, il monte et il redescend. Ça, c'est pas très sorcier, c'est la gravité qui agit évidemment sur les atomes, hein, puisqu'elle agit sur moi qui suis fait d'atomes. Donc ça, c'est un atome, ok. Je suis toujours un seul atome, mais maintenant, sur le trajet, je vais avoir un rayon laser qui va taper et qui va donner une petite pichenette à l'atome de temps en temps. Donc, vous voyez, j'envoie mon atome, et si je balance une petite pichenette avec mon laser, il monte un peu plus haut, et puis il redescend. Mais l'atome est quantique. Et vu qu'il est quantique, il est capable d'être dans deux états à la fois, superposés. Donc mon atome, quand je le balance et que j'ai mon rayon laser, ce qu'il va faire, en fait, c'est il va monter. Là, il se chope la pichenette du laser, il monte très haut, il redescend. Mais il va aussi faire l'autre chemin, il fait les deux à la fois. Il fait celui où il ne voit pas le laser. Donc regardez, j'essaie de vous le faire, c'est un seul atome. Il fait comme ça. Je fais les bruitages. Hein. Il redescend et il revient. Donc il fait deux chemins à la fois. Et pendant une partie des chemins, ben, il se sépare lui-même, en quelque sorte. Et après, il revient avec lui-même. Et il se superpose à lui-même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, un atome qui se superpose à lui-même? Imaginez une vague dans la mer. Bon, une vague, je peux lui faire prendre deux chemins, la recombiner, et elle va se superposer à elle-même, il n'y a pas de problème. Donc si mon atome, je n'imagine pas que c'est une particule, mais une onde, il n'y a aucun problème pour lui faire prendre deux chemins et qui se remélange à lui-même. On parle d'interférence. C'est pour ça qu'on parle d'un interféromètre à atome unique. Alors, c'est vraiment de la manip de laboratoire, hyper sophistiquée, hyper élégante, mais assez délicate. Et là, on peut se dire qu'on est très très loin du champ des applications.
Alors je vous donne un exemple d'application de ça. Cet interféromètre à atome, il va être sensible à la gravité, évidemment, vu que c'est ça qui fait retomber l'atome. Et donc s'il y a une gravité qui est un peu différente selon la valeur, je ne sais pas, où on est dans le monde, par exemple, ou sur la Lune, évidemment, ma fontaine à atomes, mon interféromètre à atomes, ne va pas réagir de la même manière. Donc vu qu'il est hypersensible à tout ce qui se passe sur le chemin, cet atome, vous avez inventé une sorte de capteur hypersensible à la moindre perturbation, par exemple de la gravité. Ou par exemple, si je fais tourner mon dispositif en même temps, il va être sensible à la moindre rotation. Ou si je l'accélère, il va être sensible à la moindre accélération. Donc vous avez inventé un accéléromètre. Ou vous avez inventé un mesureur de gravité. Alors ça, on l'a déjà dans notre téléphone, on n'a pas besoin d'un atome unique pour faire ça. Sauf qu'il est tellement sensible qu'on va gagner des ordres de grandeur. On va être 1000, 10 000, 100 000 fois, 1 million de fois plus fin que ce qu'on sait faire habituel. Et alors, voilà un état de l'art. Donc ça, c'est une start-up française, Mukans, qui a développé ça. Donc ça, c'est un article scientifique. Ils vous disent dans l'article, je ne sais pas si vous voyez écrit 10-9, j'adore vous montrer des articles scientifiques, hein. 10-9, ça veut dire qu'ils sont capables de mesurer la gravité avec 9 chiffres. Ils sont capables de mesurer la gravité au milliardième près. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert de mesurer la gravité au milliardième près? Ben regardez, ça c'est leur appareil à eux qui a été déposé en haut de l'Etna. L'Etna c'est un volcan en pleine activité, et ben dès qu'il va y avoir, je sais pas, des magmas, des machins, bon alors j'y connais rien en géologie donc je vais dire plein de bêtises, mais bon des trucs qui se baladent sous le sol parce qu'il y a un volcan qui va exploser, on va y être sensible. Donc d'avoir une mesure gravité in situ, hypersensible, en haut d'un objet géologique comme un volcan, ça, ça a du sens, et on va pouvoir soudain faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Ou si vous êtes intéressé à détecter, je sais pas, des nappes, ou à détecter des poches d'eau, on va avoir un outil pour la géologie incroyablement sensible. Ça, c'est ma première application. Deuxième application, je reprends ma boîte à outils. Ce coup-ci, je vais prendre un nano-objet et la quantification. Okay, c'est mes deux paramètres. Alors mon nano-objet, il n'est pas du tout nano, c'est un diamant. C'est pas du tout nano, c'est un beau diamant. Mais dans mon diamant, je vais fabriquer un nano-objet. Et alors ce qu'on sait très bien faire dans les diamants, c'est créer des petits défauts. On le bousille un peu, le diamant. Et quand on fait ça, on est capable d'arracher un atome du diamant. En fait, on en arrache deux. Donc c'est du carbone, hein, le diamant, c'est juste du carbone. On arrache deux carbones et à la place, on met un atome d'azote. Et puis il reste un trou parce que il manque un atome. Donc on appelle ça un centre NV. N, c'est nitrogen, c'est azote. Et V, c'est vacancy, c'est trou. Donc un centre azote-trou. Voilà. Donc on a un petit défaut, en tout cas, aucun intérêt en soi. Sauf que les physiciens se sont rendus compte que ce petit défaut, il avait une propriété remarquable, il était magnétique. Quand vous faites ce petit défaut, il y a un petit aimant qui pousse à l'endroit du défaut. Nous, on parle de spin. Le spin quantique, c'est un petit aimant à l'échelle de l'atome. Donc il a un pôle sud, un pôle nord, hein, comme un vrai aimant. Sauf qu'il y a la quantification. Vous vous souvenez, la quantification, ça vous dit que votre aimant ne peut être que dans deux états à la fois. Vous vous souvenez, mes deux marches de l'escalier. Donc il peut être vers le haut ou vers le bas. Ok. Jusque-là, ce n'est pas très intéressant pour une application. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que quand il est vers le haut ou vers le bas, il a une propriété qui change, c'est la façon dont il brille si on l'éclaire. C'est fluorescent, ce petit défaut, c'est-à-dire qu'on peut le voir briller, et selon que le spin soit en haut ou en bas, il brille ou il brille pas. Ou plutôt, il brille ou il brille moins. Et donc, juste en regardant si le défaut brille, on est capable de dire comment est le spin. Et donc, vous venez d'inventer la boussole la plus petite au monde. Vous venez d'inventer une boussole qui vous dit dans quel sens elle est selon la lumière qu'elle vous envoie. Et cette boussole, elle a la taille d'un ou deux atomes. 0,2 nanomètres. Et là, à nouveau, on peut se dire, mais quel est l'intérêt d'avoir une boussole qui fait deux atomes? Parce que moi, je prends une bonne boussole, la vieille boussole, ou même une boussole moderne avec, je sais pas, un effet Hall dans un smartphone, ça marche hyper bien, j'ai pas besoin de cet objet-là. Alors, je vais vous montrer un exemple d'application quand même. Donc, vous avez votre spin, il peut être vers le haut ou vers le bas, et je vais lui mettre une onde radio. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il se trouve que les physiciens savent que quand ils mettent des ondes radio sur des spins, à une fréquence particulière, vous voyez, c'est un peu si vous vous baladez sur la FM, là vous partez de France Inter, vous allez vers France Culture, BFM ou je sais pas quoi, et à une fréquence particulière, regardez ce qui se passe, là je change ma fréquence en direct, et soudain, à la bonne fréquence, le spin bascule. Mais si vous rechangez de fréquence, il revient vers le haut. D'accord? On appelle ça une résonance de spin. Le spin, il résonne à une certaine fréquence radio. Voilà, vous avez une sorte de mini-radio. Et donc si vous faites ça, alors si je le fais en langage de physicien, et bien vous voyez, là je change ma fréquence, ça fait de la lumière, puis au moment où je fais basculer le spin, moins de lumière, et puis au moment où je repasse au-delà, plus de lumière. Donc si je vois la lumière s'éteindre à un moment donné, je sais où est la résonance du spin. Alors, c'est hyper sophistiqué, hein, mais cette résonance, la valeur de cette résonance, un peu comme la valeur de votre chaîne radio préférée, vous dit si autour du spin, il y avait un champ magnétique. Donc vous avez inventé une nano-boussole et une façon de la mesurer qui va vous dire le champ qu'elle voit autour d'elle. Donc vous prenez ce diamant maintenant avec sa nano-boussole et vous l'approchez d'une molécule. Eh bien, si vous faites ça, vous allez voir des spectres comme ça, des tas de pics. Donc c'est quand est-ce que ça brille ou ça brille pas en fonction de la fréquence. Et ça, en fait, les chimistes connaissent ça par cœur. Ça s'appelle la résonance magnétique nucléaire. Ça existe depuis 60-70 ans dans tous les labos de chimie. Ça permet de caractériser les molécules. Ça permet là de dire que c'est cette molécule dont je connais absolument pas le nom. Je suis nul en chimie. Donc, ce que vous êtes en train d'inventer, c'est un détecteur
presque à l'échelle moléculaire. Là, l'échantillon, il fait quelques picolitres. Pico, c'est un millième de milliardième de litre. Et sur un échantillon de quelques picolitres, on est capable de caractériser la chimie de l'échantillon. On peut faire pareil avec la biologie. Il y a plein de gens qui font de la biologie en ce moment avec ça. Donc on a un nouvel outil absolument incroyable qui permet en gros de faire de l'IRM en biologie ou en chimie, sauf qu'on peut le faire à des échelles individuelles. On va voir une molécule, pas juste une assemblée de molécules à laquelle on comprend souvent pas grand-chose. C'était ma deuxième application, j'espère que vous tenez le coup. Troisième et avant-dernière application du jour, la plus compliquée, je finis par la plus compliquée. Je vais prendre des photons, donc de la lumière, et l'intrication. Alors d'abord, je vous explique ce que c'est que l'intrication, parce que ça déjà, c'est costaud. Alors, je prends un photon et je le mets dans deux états à la fois. Un peu comme la petite flèche que j'ai mise soit vers le haut, soit vers le bas, donc je vais imaginer qu'elle est les deux à la fois. D'accord ? Alors je le fais hyper mal parce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit les deux à la fois, mais je ne sais pas le faire avec mon pouce. Et l'intrication, vous faites même plus compliqué que ça, vous en prenez une deuxième et elle aussi vous la mettez dans deux états à la fois. Donc vous avez deux particules, chacune superposée dans deux états. Ok, j'espère que vous me suivez encore, mais là vu que vous n'êtes pas là sur scène, vous ne pouvez pas hurler, donc tant pis pour vous. Et ces deux particules, on les intrique. On les accroche en quelque sorte l'une à l'autre, on les mélange, on les frotte l'une à l'autre. Maintenant, elles ont un destin partagé. Alors regardez ce qui se passe maintenant. Donc elles sont intriquées, bon, je vois pas grand-chose. Et maintenant, je les sépare, j'en envoie une là-bas, l'autre là-bas. Donc voilà, celle-là, je sais pas si je sors du champ. L'autre, là, je sais pas si je sors du champ, on va dire qu'elle est là et là. Vous avez deux particules à quelques mètres l'une de l'autre. Et vous demandez à un physicien à droite, est-ce que tu peux mesurer comment est la particule ? Vous vous souvenez du truc, hein, au moment où il la mesure, elle est dans deux états à la fois, mais quand il la mesure, elle choisit. Soit elle se met comme ça, soit elle se met comme ça. Une chance sur deux. Okay. Donc on va dire qu'elle se met vers le haut. Mais à ce moment-là, je vous garantis que si vous demandez au physicien là-bas ce qu'il mesure, lui, il va trouver qu'elle est vers le bas. Une seconde après, vous demandez une deuxième mesure, et là, il la trouve vers le bas. À ce moment-là, lui, il la trouve vers le haut. À chaque fois que lui trouve le spin dans un sens, l'autre trouve le spin dans le sens opposé. Mais c'est pas qu'au début, il partait comme ça ou comme ça. Il partait sans choisir, mais à distance, ils s'influencent l'un l'autre en quelque sorte. Ils partagent cette même onde quantique dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Ça, c'est l'intrication. Alors, c'est un truc auquel Einstein lui-même ne croyait absolument pas. Et c'est pas possible parce qu'en physique, l'espace est local. Je veux dire, s'il se passe un truc là, il se passe là, et ça n'a pas le sens d'agiter quelque chose ici, instantanément. Alors, en fait, il se trompait. Des expériences ont été faites depuis, notamment par Alain Aspect, à nouveau à l'Institut d'Optique, qui a montré, dans les années 80, qu'effectivement, cette intrication avait lieu dans un laboratoire. Il a fait ça sur 12 mètres. C'était déjà pas mal. Et donc, une application de ça toute récente, c'est les télécoms. Vous allez me dire, ah bah oui, les télécoms, bien vu, parce qu'on va pouvoir communiquer entre lui et lui à distance. En plus, ça va communiquer de façon instantanée, on va violer la vitesse de la lumière, ça va être trop classe, quoi. Alors, c'est impossible. Donc là, je dis stop. Einstein a dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, et il a raison. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, ce qu'on peut faire dans cette expérience, c'est la chose suivante. Regardez bien. Vous avez vos deux trucs, ils partent chacun d'un côté. Et ici, moi, je vais lire et je vais trouver vers le haut. Alors, vers le haut, on va dire que je vais dire que c'est 1, et vers le bas, que c'est 0. Donc, on va dire que je vais mesurer 1, 1, 1, 0, 0. Je suis à peu près sûr que lui, il va mesurer 0, 0, 0, 1, 1. Bon, je le fais pas dans le bon sens, mais vous avez compris. Et donc, à la fin, ben, on a partagé un code secret. Moi, je suis sûr que l'autre, il a le même code que moi à distance. Donc, on s'est fabriqué une clé qu'on va pouvoir utiliser pour crypter. Alors, avec 5, 0 et 1, on va pas aller loin, mais on peut faire 128 bits, évidemment. Donc, on s'est fabriqué une clé qu'on a partagée à distance. Et le truc absolument génial dans la façon qu'on a eu de partager cette clé, c'est s'il y a un espion. S'il y a un espion, vous voyez, qui est là, hyper méchant, donc là, je fais l'espion méchant, et qui regarde sur le trajet. Ce qui se passe, il se dit, tiens, moi, je vais essayer de repérer si c'est 1, 0, 0 pour connaître la clé. Dès qu'il va essayer de le faire, il va mesurer, et donc il va changer l'état de la particule, et lui, il va le voir. Lui, il va dire, ah, mais ma particule, elle n'est plus dans deux états à la fois, et je la choisis. Elle a déjà été choisie par quelqu'un sur la ligne. Et donc, on a un code secret où on peut en plus s'assurer, de façon absolument rigoureuse, qu'il n'y a pas eu d'espion sur la ligne. Ou si on a eu un, ben, on se repartage un deuxième code secret. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par les physiciens depuis déjà 10-20 ans. On a réussi à le faire au début sur quelques mètres. Après, on a réussi à le faire sur un réseau de fibres optiques en Suisse sur quelques dizaines de mètres dans un bâtiment. Après, on a réussi même à le faire, l'intrication, entre deux îles des Canaries. Mais le record du monde, il était obtenu par des Chinois, il y a 2-3 ans, avec un satellite. Ils ont envoyé un satellite dans l'espace qui a envoyé deux photons. Je ne sais pas si vous imaginez les technos qu'il faut. Hein. Deux photons qui ont été détectés à 2000 km de distance et qui étaient intriqués. Mais il y a 6 mois... ils ont fait encore mieux. Alors, je vous ai amené l'article en papier. Là, je me suis dit, on va être dans le numérique, donc j'ai amené un article en papier le pire possible. Donc là, il se décompose autour de moi en se disant, mais on ne voit rien. An integrated space-to-ground quantum communication network over 4600 km. Donc, les Chinois ont réussi dans ce papier, je vous ai quand même mis des images en grand. Donc là, c'est le satellite. Et puis là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est une carte de la Chine. Elle est ici, ma carte de la Chine. Et ils se sont fait un réseau quantique. Donc, ils se sont mis des fibres optiques, 2000 km de fibres optiques. Sur plusieurs nœuds, donc ça va de Pékin à Shanghai en passant par Haïfei. Il y a même des petites villes dans le nord de la Chine desservies par le satellite. Et donc avec les fibres optiques et le satellite, ils ont construit et testé un réseau de télécommunications complet quantique.
Alors ça ne veut pas dire que vous partagez toutes vos vidéos et tout à travers la quantique, vous partagez le code secret. Et ce code secret, ils savent en partager toutes les minutes, typiquement, et un code absolument inviolable, et ensuite avec ce code, ils communiquent le long du réseau, et ils recommencent toutes les minutes avec un nouveau code secret. Donc là, vous voyez, il y a un enjeu géopolitique quand même un peu majeur, je sais que les gens de Thalès bossent beaucoup sur ces questions-là, d'arriver à communiquer via Internet de façon parfaitement inviolable, avec un cryptage parfait. Donc c'était ma troisième application. Et alors la dernière, évidemment, pour finir en beauté, c'est la plus belle, c'est celle qui utilise absolument toute la boîte à outils. Donc les quatre propriétés de droite, les quatre propriétés de gauche, c'est l'ordinateur quantique. Et vous voyez, j'ai attendu jusqu'à la fin de ma conférence pour vous en parler, parce que c'est tout à la fois cet ordinateur quantique. Alors je vais essayer de vous en expliquer le principe. Donc d'abord, on va en regarder un. Donc voilà un ordinateur quantique, ça celui-là, je crois que c'est celui de Google ou d'IBM, je ne sais plus, ils ont la même tronche. C'est pas du tout un ordinateur, en fait, c'est un cryostat, c'est une manip de labo, qui descend à, celle-là, elle descend à 0,01 degré du zéro absolu, et tout ce que vous voyez, en gros, c'est un énorme thermos pour la protéger de la chaleur de la pièce. On parle de cryostat à dilution. Et dedans, beaucoup d'électronique embarquée pour taper sur un petit microprocesseur dans lequel on va avoir un ordinateur quantique. Alors, je vais expliquer le principe de ce microprocesseur, et j'ai amené des super boîtes pour ça qu'on a fait avec une designeuse qui s'appelle Lou Vétier. Alors, vous vous souvenez qu'un atome peut être dans deux états à la fois, donc attention, je vais vous faire un atome dans deux états à la fois. Donc là, il est dans un état, et puis s'il est excité, il est dans un deuxième état, un peu plus gros. Et donc, vu qu'il est dans les deux états à la fois, attention, effet spécial. Incroyable, hein, il est dans les deux états à la fois, d'accord. Alors évidemment, nous, là, c'est notre œil et la persistance rétinienne, c'est vraiment minable. Mais dans la vraie nature, il est vraiment comme ça. Et à partir de là, je vais fabriquer un ordinateur. Donc c'est simple, hein. Ça, je vais dire que c'est 1, et ça, je vais dire que c'est 0. Donc voilà mon atome, de façon métaphorique, et j'ai, comme toujours, à la fois des 1 et à la fois des 0. Alors ce truc-là n'a aucun intérêt en tant que tel, ça va avoir l'intérêt si vous en mettez plusieurs. Là, je vous en ai mis 3. Si vous en mettez 3, vous commencez à avoir compris le truc, hein. Là, mes trois atomes, il faut qu'ils soient dans deux états à la fois et intriqués, hein, ils se partagent un destin. Et ça, ça fait que je vais commencer à pouvoir coder avec des 0 et des 1, et si vous calculez, vous avez 8 codes possibles. 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Donc quand vous avez mis 3 bits, vous avez 8 codes, c'est 2 puissance 3. Si vous en rajoutez un quatrième, ça va faire 16 codes, si vous en rajoutez un cinquième, ça va faire 32 codes, etc. Vous voyez qu'il y a une progression exponentielle dans la quantité d'informations que je peux stocker dans ces bits quantiques. Donc on voit tout de suite la puissance de l'ordinateur quantique, c'est qu'il peut traiter une énorme masse d'informations en parallèle. Il traite toutes ces combinaisons en parallèle, et à la fin il vous dit c'est ça le résultat. Quand vous mesurez, vous choisissez une des combinaisons. Alors dit comme ça, ça a l'air merveilleux. Il me reste 5 minutes pour vous dire que c'est peut-être pas si merveilleux, mais quand même. Côté hardware, qu'est-ce qui se passe? Côté hardware, il vous faut un système à deux niveaux. Je vous ai montré un atome, il y a plein d'autres solutions. On peut utiliser un petit circuit électrique supraconducteur, on peut utiliser des photons, on peut utiliser des diamants à 100 NV. Que j'avais tout à l'heure. En fait, tout ce que vous offre la physique quantique comme système à deux niveaux, donc c'est des catalogues entiers de solutions, chaque solution, c'est vraiment une techno en soi. Hein. Si vous utilisez des photons, comme l'ont fait des Chinois récemment par exemple, bah vous avez plein de rayons laser et plein de lentilles. Si vous utilisez des supraconducteurs, vous êtes dans un cryostat et c'est des bouts de métaux de niobium plongés dans l'hélium liquide. Si vous utilisez des semi-conducteurs, c'est plutôt du silicium sur de la gravure un peu façon nano, etc., etc. Si vous faites ça, on va imaginer que vous y arrivez, que vous mettez plein de 0 et de 1 ensemble. Après, vous avez le problème du soft. Hein. Et donc, vous avez plein de défis à relever. Premier défi, fabriquer les bits quantiques. Bon, vous prenez un atome dans deux états. Deuxième défi, en mettre plein ensemble et faire des portes logiques. Moi, je vous dis, on calcule un peu de façon floue. À un moment donné, tous ceux qui ont fait un peu d'informatique, ils savent que ça ne suffit pas d'avoir des 0 et des 1. Il va falloir les additionner, les soustraire, faire des portes logiques, etc. Il va falloir réinventer les portes logiques pour l'ordinateur quantique, des façons de calculer quantique. Donc, il va falloir savoir écrire un programme, et ça ne va pas du tout être le programme dont vous avez l'habitude en informatique normale. Il va falloir utiliser les lois de la quantique pour écrire ce programme. Donc, il va falloir apprendre un peu de physique quantique si vous voulez faire des algorithmes quantiques. Donc, si vous arrivez à faire tout ça, on peut espérer avoir un ordinateur quantique. Alors, au début, vous allez faire ça avec 2 ou 3, 0 et 1. Si vous voulez vraiment avoir des applications intéressantes, il faut passer à l'échelle. Hein, et vous allez voir qu'il en faut beaucoup pour que ça commence à devenir intéressant. On va imaginer qu'on a réussi à relever tous ces défis, qu'on est les champions du monde. Et là, je vais vous dire ce qu'on est capable de faire avec l'ordinateur. Puis après, je reviendrai à un principe de réalité. Donc à quoi ça sert? Il y a deux catégories d'applications. Là aussi, je ne vais pas faire un long catalogue, je vais juste vous faire sentir le type d'application. Première partie, c'est évidemment faire des algorithmes plus vite. Si c'est juste refaire comme l'ordinateur normal, ça n'a aucun intérêt. Et les algorithmes, ça ne va pas être n'importe quel algorithme qu'on va faire passer à la moulinette quantique. C'est vraiment certains algorithmes, et pas beaucoup hein, en réalité, qui vont être plus rapides. C'est les algorithmes qui, en général, veulent tester plein de solutions à la fois. Je vous donne un exemple, le tri dans une liste. Plutôt que de regarder la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, jusqu'à se trouver ce qu'on cherche, l'ordinateur quantique il va tester toutes les lignes à la fois, un peu comme ma boîte de tout à l'heure, et vous dire tiens, c'est celle-là. Et ça, évidemment, ça va toucher tout ce qui est big data notamment. Autre exemple de problème où l'ordinateur quantique est très bon, le problème du voyageur. Je dois passer par plein de villes en France, quel est le trajet optimum? Avec un ordinateur normal, le maximum que vous sachiez faire, je crois que c'est 17 villes. Bah, juste parce qu'il y a trop de combinaisons au bout d'un moment.
L'ordinateur quantique, pas de problème, il teste tous les chemins à la fois, et à la fin, il vous dit, bah voilà, fallait passer par Tours, puis Rennes, puis Nantes, puis Paris, etc., etc. Donc là, on se dit, mais ça sert absolument à rien, parce qu'il n'y a plus de voyageurs, surtout en 2021, qui fait toutes les villes de France. Hein. Alors si, ça va servir évidemment dans le fret. Ça peut servir aussi pour des problèmes d'architecture dans des microprocesseurs, pour optimiser des trajets, et dans plein d'autres problèmes de ce genre-là. Donc voilà, il y a plein d'algorithmes qui vont beaucoup gagner de la puissance d'un ordinateur quantique. Il y en a plein, par exemple, dans le monde de la finance. Pour une raison, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a pas mal de calculs en finance où on se trouve que les équations correspondent aux équations de la physique quantique. Et donc, il suffit juste d'utiliser un ordinateur quantique pour les simuler. Ou encore, dans le monde de l'aérodynamique, vous voulez calculer comment marche un avion et comment il prend l'air et qu'il est aérodynamique. Les équations responsables de ça, Navier-Stokes, vous les simulerez bien mieux avec un ordinateur quantique. Deuxième type d'application, c'est à mon avis le plus intéressant, c'est de simuler. Alors, c'est pas simuler l'avion tout à l'heure, c'est simuler un truc qui est lui-même quantique. Par exemple, je veux simuler des atomes dans une boîte ou des électrons dans un solide. Ça, un ordinateur normal ne sait pas le faire, ou très très mal. Parce que l'ordinateur classique, il calcule avec des outils classiques, et donc le calcul, il explose exponentiellement, et on sait traiter 2-3 atomes, mais pas plus, si on veut le faire de façon exacte. Et sinon, il faut faire des approximations. Avec un ordinateur quantique, hein, normalement, on devrait être capable de pouvoir tester et mesurer ce que deviendraient plein d'atomes ensemble, sans avoir à le faire pour de vrai. Et là, évidemment, on s'ouvre un champ de recherche incroyable. Vous pouvez inventer des nouveaux médicaments, parce que c'est des molécules. Vous pouvez inventer des nouveaux matériaux pour des nouvelles batteries, pour des cellules photovoltaïques, parce que c'est des assemblages d'atomes. Si moi, je suis capable, dans mon ordinateur, de tester tous les assemblages d'atomes possibles, un peu malin, bien sûr, pour fabriquer, par exemple, la bonne batterie de demain au lithium, au bout d'un moment, il va me dire, bah, tiens, c'est celui-là, avec tant de lithium, tant d'oxygène, tant de calcium, va le fabriquer en labo, tu vas voir, ça va marcher, parce qu'il l'a simulé, je vais le fabriquer, et ça marche. Donc on peut avoir une révolution dans le champ de la chimie, des médicaments, des matériaux et plein d'autres champs encore. Et donc ça, évidemment, ça fait fantasmer et ça fait rêver. Et moi, je suis le premier à en rêver. Donc ça, c'était les rêves. Alors la réalité, c'est qu'on n'y arrive pas pour l'instant. On n'y arrive pas, pas seulement parce qu'on est au début. Parce qu'il y a des verrous, et je vais finir là-dessus, je vais vous mentionner les deux verrous clés. Premier problème, ce qu'on appelle la décohérence. En gros, vos atomes, vos photons, enfin ce qui calcule, interagit avec l'environnement autour de lui. On n'a pas un environnement toujours parfaitement isolé. À un moment donné, le vide, il n'est pas parfait, la lumière, elle n'est pas complètement noire, etc. Et en interagissant, au bout d'un moment, ils arrêtent d'être dans deux états à la fois. Ils choisissent un des deux aléatoirement. Et là, votre calcul, il est fini. Donc, il faut absolument aller plus vite que ce temps de décohérence qui fait, dans les meilleurs ordinateurs, peut-être 100 microsecondes ou une milliseconde. Donc, il faut aller très vite. Deuxième problème, bien pire, le bruit. Autour de l'ordinateur quantique, il y a du bruit. Alors, ce qu'on appelle le bruit, nous, c'est l'interaction avec n'importe quoi. Un peu de lumière, un petit fil électrique qui traîne, les autres qubits à côté. Et ce bruit, il a une conséquence abominable, c'est qu'il fait faire un bug à votre ordinateur. Le 0 soudain devient un 1, et vous ne le savez pas. Et vous n'avez aucune manière de le savoir, parce que si vous essayez de mesurer, ben, ça arrête le calcul, bien sûr. Donc vous croisez les doigts en attendant la fin du calcul, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors actuellement, on sait faire une erreur sur 1000, donc c'est une cata. Quoi. Dès qu'on veut faire 10 000 ou 100 000 opérations, on est sûr qu'il y a un bug sur la ligne et qu'on ne peut pas le détecter. La solution pour l'instant qu'imaginent les physiciens, c'est de se dire, à chaque fois qu'on a un 0 et un 1, on va le dupliquer, on va faire plein de clones, et on va tester les clones discrètement en laissant celui de départ tranquille. Et ça, ça peut marcher, c'est des calculs de code d'erreur. Le problème, c'est qu'actuellement, dans les ordinateurs qu'on est en train de concevoir, on a calculé que si on veut que ça marche, c'est facile, vous prenez votre 0 et votre 1 mélangés. Il faut le dupliquer en gros par 1000 à 10 000. Il faut lui ajouter 10 000 clones pour pouvoir tester ces 10 000 clones pendant le calcul. Donc quand on vous vend un calcul avec un ordinateur quantique qui utilise 100 qubits, multiplié par 10 000, ça veut dire que ça fait 1 million. Ça veut dire que les bonnes applications, de ce qu'on comprend pour l'instant, vont arriver quand on commencera à avoir 100 000 ou 1 million de qubits. Et pour l'instant, le record du monde, c'est 60 ou 70. Donc on en est hyper loin. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais bon, bah, c'était comme avec les ordinateurs dans les années 50, hein, ça va monter avec la loi de Moore, et puis dans 2-3 ans, on y est. Alors là, attention, hein, la physique va vous rattraper, et la physique, elle est impardonnable. Elle va vous dire, mais vous allez avoir deux effets antagonistes, vous voulez augmenter le nombre de qubits, mais quand vous augmentez le nombre de qubits, ça augmente le bruit, ça augmente l'interaction entre eux, et donc, ça rajoute des erreurs, et ça rajoute des bugs, et ça réduit la cohérence. Et donc, on veut faire deux trucs qui vont en sens inverse. Et pour l'instant, je dois être honnête, on ne sait pas bien comment s'en sortir. Donc je ne sais pas si on arrivera un jour à avoir un ordinateur quantique qui fasse un calcul intéressant. Voilà, je le dis, c'est enregistré sur Internet. Donc j'espère qu'on va ressortir cette vidéo et montrer à quel point j'avais tort d'ici 2, 3, 4 ans. Peut-être que dans 20 ans, on va ressortir la vidéo en disant « bah ouais, ouais, effectivement, il ne s'est rien passé ». Et donc j'en finis avec cette question, mais alors finalement, est-ce que mon talk, c'était une supercherie ? Est-ce qu'il faut vraiment que vous vous intéressiez pendant 40 minutes avec moi sur la physique quantique ? Alors la réponse, c'est oui. D'abord parce que vous êtes curieux, et je suis curieux, et on est tous curieux du monde qui nous entoure. Et pour comprendre la matière, comprendre l'univers, comprendre la couleur des objets, la solidité de cette table, etc. C'est la physique quantique qui gouverne. Et puis ça permet de comprendre des tas de technologies actuelles hyper importantes. J'ai parlé des LED, tout l'avenir du photovoltaïque se joue en physique quantique, hein, et c'est des physiciens de la quantique qui essayent d'améliorer les panneaux photovoltaïques. Donc on n'a pas besoin d'aller dans des ordinateurs quantiques hyper sophistiqués pour retrouver des vrais enjeux de physique quantique actuelle technologique. Puis évidemment,
il faut s'y intéresser parce que quand même, tous ces capteurs et toutes ces technologies dont je vous ai parlé existent déjà. Et puis l'ordinateur quantique lui-même qui fait fantasmer va peut-être exister un jour. Et donc il faut être au courant et s'intéresser à ces technologies, mais sans y croire non plus aveuglément. Vous voyez, il y a un entre-deux à trouver. Donc si je finis, en fait, on peut se poser deux questions à mon avis, c'est les deux bonnes questions. La première, c'est alors quel progrès on peut espérer ? Bah, la réponse, c'est j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je peux juste dire qu'il y a déjà eu des progrès phénoménaux, qu'il y a déjà des applications qui marchent. Mais bizarrement, ce n'est pas du côté de l'ordinateur, c'est plutôt du côté des télécoms et surtout des capteurs. Et là, c'est clair qu'il y a tout un champ qui s'ouvre absolument passionnant. Du côté de l'ordinateur, je ne sais pas si ça aura lieu un jour. Et puis la deuxième question, c'est ok, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider, en quelque sorte ? Alors, il y a plein de choses à faire. C'est un champ passionnant parce que c'est un champ hyper interdisciplinaire. Et là, pour une fois, ce n'est pas un mot galvaudé. On a de l'informaticien, du physicien, du mathématicien, de l'algorithme, de la cryogénie, de l'ingénierie, de l'électronique. Il faut faire bosser tous ces gens ensemble qui ne parlent pas la même langue. Et donc il y a un vrai enjeu à créer cette interdisciplinarité. Il y a deux manières de faire. Soit vous fabriquez des étudiants auxquels vous enseignez tout à la fois, et ils sont géniaux et ils font tout eux-mêmes. Soit vous fabriquez des experts dans chaque domaine, et puis après vous les mettez autour d'une table et vous espérez qu'ils vont arriver à bosser ensemble. Donc on travaille sur ces deux trucs-là, dans mon équipe, la physique autrement. On travaille à la fois sur la question de la vulgarisation et de l'enseignement, trouver des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire pour partager une langue commune, pour discuter ensemble. Et je pense que ça se joue à la fois dans le champ de la formation et puis dans le champ actuel de ces technologies, trouver des façons de faire bosser ces gens ensemble et partager un langage commun. Et si je finis sur, alors qu'est-ce qui motive tout le monde, sur qu'est-ce que les technologies veulent, qu'est-ce que les gens veulent quand ils bossent dans ces technologies, je reviens à Feynman, 1959. Il est à la fin de son talk et il veut convaincre les physiciens dans la salle d'y aller, quoi. Et au lieu de leur dire, bon alors ça va rapporter des millions et tout, la dernière phrase de la conférence, je crois que c'est un truc du genre, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des applications formidables et que d'un point de vue économique, ça va être incroyable si ça a lieu un jour, mais je vous connais, je me connais, le vrai truc qui va faire que vous allez aller bosser là-dedans, c'est vous amuser. C'est le plaisir, le fun, il dit en anglais. Et à la fin, il finit sa conférence par sa dernière phrase, let's have fun. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien, c'est très intéressant et Christian me confiait qu'il avait tout compris, donc c'est un bon test. Alors, quelques questions. Est-ce qu'on fait encore des découvertes fondamentales dans l'univers de la mécanique quantique ? Et si oui, quelles ont été les avancées théoriques majeures ? On en fait tous les jours, et on en fait des centaines tous les jours. Par exemple, il y a un champ que les gens oublient complètement qui est mon champ à moi, donc je vais le défendre, hyper corporatiste, c'est la matière condensée. Tu vois, comprendre comment marche un aimant ou un supraconducteur, c'est un truc qu'on comprenait très mal au début de la quantique. On a compris ça avec les aimants classiques. Maintenant, on s'est fabriqué des aimants quantiques qui sont dans tous les états à la fois superposés. Et c'est des découvertes qui datent d'il y a 2, 3, 4 ans, ça. D'accord. Est-ce qu'on doit se mettre à l'algorithmie quantique et est-ce que c'est compliqué ? Ah ouais, vous allez souffrir. Alors, là, il y a un vrai enjeu. Je ne veux pas tricher. À un moment donné, si vous voulez aller dans ce champ-là, il va falloir vous taper un peu de physique quantique. Donc mon conseil, c'est commencer déjà avec la vulgarisation. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas mal. Puis après, si vous voulez aller au-delà, il va falloir apprendre à calculer quantique. Donc vous allez un peu en baver, ça met en jeu les matrices, ça met en jeu l'algèbre binaire, mais c'est hyper marrant et c'est quand même très drôle. Tous les gens qui se sont mis à un nouveau langage informatique, ils en ont bavé la première fois, je pense. Moi, vu que je suis vieux, c'était le basique sur Apple IIe. Et à un moment donné, on découvre un nouvel univers. Une nouvelle façon de raisonner, avec la physique quantique, c'est pareil. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, y compris pour des enseignants comme moi, ou dans toutes les universités actuellement, les grandes écoles, pour trouver des façons un peu élégantes et fines d'enseigner cette physique-là. Parce que si on l'enseigne façon physicien, les gens vont en baver, quoi. Et du coup, si on veut se préparer à la programmation quantique, on fait comment Ah ouais, alors il y a plein de vidéos et de MOOC en ligne. Ou alors vous revenez à l'université, vous êtes les bienvenus. Il y a aussi un truc très marrant, c'est que les gens commencent à avoir maintenant développé des langages informatiques utilisant la quantique. Et puis alors, si vous voulez les tester, le problème, c'est que vous n'avez pas d'ordinateur quantique chez vous. C'est pas comme votre Apple ou votre PC sur lequel vous allez tester. Mais là, coup de chance, il y a quand même des grandes entreprises comme IBM qui ont mis dans le cloud à disposition des tout petits ordinateurs quantiques tout pourris qui ne marchent pas très bien, mais qui vous permettent de faire vos gammes et de tester une sorte de compilateur dans un labo qui va tester votre programme. Donc, il faut y aller, il faut tester, il faut s'amuser, quoi. Mais on ne peut pas révolutionner l'analyse financière avec ça, j'imagine. Pas pour l'instant, quoi. Pour l'instant, on ne va rien faire. On va arriver à montrer que 15, c'est 5 fois 3. Et si tu me dis 51, on va être perdu, quoi. Alors, il y a une question qui était posée, mais je pense que tu y as malheureusement répondu. Donc, selon vous, à quelle échelle de temps pourrions-nous avoir une production à l'échelle de PC quantique ? C'est une super question. Il y a l'Académie des sciences américaines qui a fait un rapport que je recommande vraiment à tout le monde, remarquable sur le sujet. Ils ont réuni tous les experts et ils leur ont posé cette question. Et un des key findings du rapport, c'est on n'est même pas capable de vous dire quand on saura vous dire à quelle échéance c'est.
Donc c'est même pas que je sais te dire 10, 20 ou 30, je sais même pas te dire quand je saurai répondre à ta question. Donc on en est très loin parce qu'il y a des verrous fondamentaux, donc on avance, mais voilà, on pose souvent la question, mais alors est-ce qu'il faut parier en bourse sur l'ordinateur quantique? Moi je parierais pas mon argent, mais par contre je serais ravi d'aller bosser dans le domaine. Alors pourquoi ce paradoxe alors que beaucoup d'industriels, dont Accenture, investissent aussi largement sur la quantique? Ils veulent pas rater le coche. C'est-à-dire que si par hasard ça marche, là pour le coup ça fait un bouleversement redoutable. Mmh. Et donc je pense qu'il y a ce truc-là qui est, il faut y être. Je pense qu'il y a aussi une question d'image de marque, c'est-à-dire que et pas de façon galvaudée, c'est-à-dire être à un moment donné dans le truc le plus pointu du moment, qui mélange les esprits les plus brillants du moment et s'en emparer, ça va vous apprendre plein de choses en termes d'agilité, d'interdisciplinarité, etc. Si je vendais vraiment le truc en me disant rien ne va marcher, tu vois, je fais le truc très pessimiste, l'ordinateur quantique va planter, ça va être des défis monstrueux, ça reste des manips de laboratoire et tout et tout. Au passage, les troupes dans ces grandes entreprises qui se seront frottées à ça, à des physiciens, à l'algorithmique, au design, etc., etc., ils auront appris plein de choses et plein d'autres façons de bosser. Mmh. Donc pour moi, rien que d'obliger des ingénieurs de ce genre de boîte à rebosser avec des physiciens fondamentaux, ce qu'ils n'ont pas fait, je pense, depuis quelques années, ça fera du bien à tout le monde. Très bien. Alors, question un petit peu orthogonale. Est-ce que ce sont les interféromètres qui permettent de détecter les ondes gravitationnelles? Oui. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, les ondes gravitationnelles, c'est un truc détecté il y a quelques années absolument incroyable. C'est des ondes provoquées par la gravité. Donc ça, normalement, on ne peut pas les détecter parce qu'elles sont trop faibles. Mais il y a deux trous noirs qui ont fusionné dans l'espace il y a quelques millions d'années. Et eux, ils ont fait pour le coup un gros machin, parce que c'est lourd, des trous noirs. Et ce gros machin est arrivé sur Terre et on a réussi à le détecter avec un interféromètre. Alors attention, l'interféromètre, il marche pas avec la physique quantique, il marche avec de l'optique. C'est vraiment des rayons laser qui rebondissent sur des miroirs à 1 km de distance, dans le désert. Il y en a 3 ou 4 dans le monde. Et à la fin, on mesure un mouvement du miroir qui fait moins, je crois, qu'un millième de la taille d'un noyau. Donc c'est la manip la plus sensible au monde, toutes catégories confondues. Et actuellement, ils réfléchissent à comment, avec la physique quantique, améliorer cet outil-là. Donc on pourrait avoir des radars quantiques pour détecter les ondes gravitationnelles dans quelques temps? Waouh, ouais, ça serait classe. T'as vu, je me prononce pas. On espère. Ok. Quelle est selon toi, la voie à prendre entre le monde scientifique et l'industrie pour rapprocher les rêves de la physique quantique et la réalité de son application en finance, en aérodynamique? On va faire bosser les gens ensemble. Ouais. Là, c'est un lieu commun, mais c'est pas si simple. Hein. Ça pose plein de questions, je trouve, hyper intéressantes. Comment leur donner un vocabulaire commun? Comment faire qu'ils partagent aussi des valeurs et des envies communes? Donc, il y a tout ce jeu, évidemment, des spin-offs qu'on connaît bien, et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que dans plein d'équipes de physique quantique en France ou ailleurs dans le monde, des thésards très réputés dans des labos incroyables de physique fondamentale fabriquent la start-up ensuite, co-encadrée par le chercheur de l'équipe. Donc, il y a un transfert immédiat de technologie. Il y en a plusieurs en France, et c'est vraiment des pépites. Mais si maintenant on veut passer à l'échelle dans des grandes entreprises, bah, il y a ceux qui s'y connaissent déjà en informatique et qui s'y sont collés, hein, IBM, Google et autres. Pour tous les autres groupes, il y a un vrai enjeu de communiquer, de trouver des passerelles communes et des façons de parler ensemble et de partager une culture commune. Il faut la fabriquer, cette culture, parce que pour l'instant, la quantique, c'était mon monde à moi et personne d'autre le partageait, il faut être honnête. Ok, alors une question de spécialiste, pourquoi la LED bleue est plus difficile à fabriquer que les autres? Ah, quelle est la différence comparée aux autres LED? Tu te souviens les paliers, là? Ouais. C'est une histoire de paliers. C'est qu'en gros, pour avoir une LED bleue, il faut que tu aies deux paliers bien plus séparés que dans les autres LED. Ah oui. C'est la distance entre le palier qui fait la couleur. C'est la longueur d'onde Oui, la longueur d'onde de ta lumière, de cette LED bleue, elle vient du fait que là-dedans, il y a un palier plus espacé. Et alors, si tu prends les semi-conducteurs qu'on connaissait, que tu les empiles de toutes les façons possibles, tu n'arrives pas à faire ce palier-là. Donc les types, ils étaient coincés sur les LED vertes et rouges. Et il y a trois Japonais qui, années 70-80, c'est un boulot qui leur a pris 15-20 ans, ont fabriqué, c'est vraiment de la physique des matériaux, je rajoute un peu d'azote, je rajoute de l'aluminium, je teste, je remachine, donc un boulot de chien pour fabriquer le sandwich magique qui soudain a permis de faire du bleu, et ils ont eu le prix Nobel pour ça. Donc c'est un prix Nobel vraiment sadique, c'est un prix Nobel qui les a récompensés pour avoir fait la LED bleue, et ceux qui avaient fait les LED avant, qu'ils avaient découvertes, ils n'ont pas eu le prix Nobel. Ouais, c'est vache. Alors, je sais que tu es très intéressé par tout ce qui concerne la pédagogie, l'enseignement à distance, que tu as fait, tu as beaucoup cherché sur comment rendre tes cours attrayants à distance. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nous autres qui passons nos journées sur Teams, Zoom et tout ça? Oui, on a inventé plein de trucs, plein de façons de faire. En gros, le maître mot, évidemment, c'est l'interactivité et la technique. C'est-à-dire, et là, on le voit bien aujourd'hui où on a un environnement technologique absolument parfait et on voit à quel point ça change tout. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est faire un petit peu d'effort chez soi. Il faut se réinventer un studio télé chez soi. Donc, nous, voilà, on s'est acheté. Alors, je vous dis pas de vous acheter les spots, les machins et tout, mais juste mettez l'ordinateur à la bonne hauteur. Juste ayez peut-être une deuxième webcam ou une webcam comme ça au-dessus de votre main. Et il y a plein d'outils en ligne. Alors, ça, vous pourrez aller voir sur notre site web où on a fait plein de petits tutos qui permettent à chacun de s'inventer en quelque sorte une petite régie télé maison pour créer de la variété. Pour moi, l'enjeu numéro un, c'est échapper à ce truc où on est tous là à se regarder par le même écran. À un moment donné, juste voir un autre écran, voir une main qui bouge, voir quelque chose de tangible, voilà, ce petit machin plutôt qu'une animation.
Donc ramener du tangible dans le numérique, ça j'y crois beaucoup, et ramener de l'interactivité. Nous, on a essayé de développer plein de façons de faire ça. Et en fait, quand on avait abordé ce sujet tous les deux, la plupart des gens considèrent ça plutôt comme une dégradation de l'expérience, et toi, tu y voyais une vraie opportunité. Ouais, il y a eu des opportunités incroyables. Moi, par exemple, pendant le premier confinement, j'ai fait des conférences confinées. Donc, j'étais dans ma cuisine, tu vois, je faisais des trucs hyper cheap. J'ai expliqué, par exemple, la physique quantique avec des pâtes, si vous voulez aller voir ça sur Internet. Ça s'appelle la quantique dans ma cuisine. Et là, on peut dire que c'est vraiment le niveau zéro. Et en fait, non, soudain, il s'est créé des trucs. Tu vois, la contrainte, pour moi, ça rend fertile. Et le fait, soudain, d'être coincé sur mes plats de pâtes et de riz, ça m'a obligé à trouver d'autres façons d'expliquer la quantique, puis ça a créé une certaine horizontalité avec le public, qui a partagé, qui s'est marré, qui a échangé, etc. On a créé des nouvelles façons de vulgariser. Et en enseignement, on a fait ça aussi. On a inventé, par exemple, les TP, les travaux pratiques, le truc un peu mortel en physique. Bah, les mômes, ils ont dû les faire chez eux, dans le garage, dans la cuisine, dans la chambre de CTU. Et donc, soudain, ils se sont mis en groupe, ils ont fabriqué des manips absolument incroyables, à distance, sur WhatsApp, sur Discord, etc., etc. Ils s'est inventé une nouvelle façon de travailler et de faire des expériences de physique. Et en sortant de ça, soudain, ils se sont rendus compte que, bah mince, la physique, c'est aussi chez soi, c'est pas que dans le laboratoire. Donc, ouais, moi, j'y vois des opportunités incroyables. Évidemment, on rêve de revenir en présentiel et revoir nos vrais étudiants et qu'il y ait une chaleur humaine. Mais moi, je travaille beaucoup en ce moment avec mon équipe sur des solutions hybrides. Qu'est-ce qu'on pourrait gagner du distanciel présentiel ? Tu vois, par exemple, on va faire un enseignement avec des étudiants à Bordeaux, des étudiants chez nous. Ils se connaissent pas, ils vont devoir bosser ensemble, chacun dans son labo. Est-ce qu'on arrive à créer ensemble une manip de physique à distance ? Et donc ça pose, je trouve, plein de super belles questions. Il ne faut pas qu'on revienne à l'avant 2021. Tu penses que ça va durablement changer la façon d'enseigner ? J'espère. J'espère. Tout le monde rêve de revenir à 2019, ouais, soyons très clairs. Donc nous, les profs, ils veulent revenir en amphi, revenir en TP. Donc nous, on a un enjeu là à essayer de les convaincre qu'il y a peut-être certaines pratiques à garder de ce temps affreux qu'a été le confinement et mélanger les deux pour inventer peut-être un nouvel enseignement du futur. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci.